RER Sport. Information. Bon mardi à l'écoute de RER Sport. Il est 8h15, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Un drame de la mer hier matin à Trois-Bassins. Un jeune homme de 18 ans a été emporté par une vague entre la Grande et la Petite Ravine. En arrêt cardiaque, lorsque les secours l'ont repêché, il n'a pas pu être réanimé. Un homme d'une cinquantaine d'années a fait un malaise mortel hier après-midi en remontant le sentier de Grand Bassin. Quand les personnes qui l'accompagnaient se sont rendues compte de son absence, il était trop tard. Il a été découvert inconscient en arrêt respiratoire. Les secours lui ont prodigué des massages cardiaques, mais le cœur n'a plus voulu repartir. Il est décédé. Originaire de l'Est, cet homme souffrait du cœur, selon les témoignages de ses proches. Un feu de broussailles s'est déclaré hier vers 15h dans le secteur de Lépron à Saint-Paul. Les flammes ont menacé des habitations grâce aux efforts conjugués d'un hélicoptère bombardier d'eau et des pompiers au sol. Le pire a pu être évité. Un feu de forêt à Brapanon à la mi-journée dans le secteur de Bassin-la-Paix. Un incendie difficile d'accès qui a nécessité l'intervention d'hélicoptères et du Dash 8. Plusieurs dizaines d'hectares sont partis en fumée. Feu de broussailles aussi sur la falaise sur la route de Salazy dans le secteur de Lillette-Morin. La circulation a été interrompue pendant plusieurs heures en raison de petits éboulis sur la chaussée, a été rétabli en fin de journée. Plus de 1500 m2 de végétation ont brûlé. Incendie également dans des bambous à proximité de la maison forestière de l'ONF dans le quartier de la Providence à Saint-Denis. Là, en revanche, le feu a été rapidement maîtrisé par les soldats du feu. Trois incendiaires ont été interpellés d'ailleurs ces derniers jours. L'un d'eux, âgé d'une quarantaine d'années, est fortement soupçonné d'avoir déclenché l'incendie près de l'ONF à Saint-Denis hier. Il a été placé en garde à vue depuis hier. Vendredi, c'est un homme de 50 ans qui a été interpellé à la Bretagne où deux incendies se sont déclarés. En fouillant sa voiture, les gendarmes ont découvert deux jerrycans d'essence. Samedi, c'est un automobiliste qui a surpris un individu en train de mettre le feu à des broussailles à hauteur des trois bancs sur la route de la montagne. Interpellé, il sera bientôt jugé par le tribunal correctionnel. RER. En politique, Philippe Fontaine, ancien premier adjoint du maire de Trois-Bassins qui avait en charge les affaires financières, a annoncé hier qu'il est candidat au municipal de l'année prochaine. C'est sans étiquette qu'il compte bâtir sa liste pour notamment redonner à Trois-Bassins le cachet d'un grand village créole. Le développement économique et touristique de la commune constitue la colonne vertébrale de son projet. À Sainte-Rose, Benjamin Elma signe son retour sur la scène politique. C'est pour s'opposer à la charte du parc national qu'il a décidé de se présenter l'année prochaine. Le vote de cette charte est une façon sournoise de bloquer le développement de Sainte-Rose. Ça n'a rien à voir avec la préservation des petits oiseaux. On viole ainsi la liberté individuelle des Réunionnais et des Sainte-Rosiens. On va nous interdire de tout faire une fois que notre commune sera sanctuarisée, affirme l'agriculteur de 54 ans. RER. 38% des intoxications alimentaires ont eu lieu dans le milieu familial en 2012, selon l'Agence régionale de santé de l'océan Indien. Des intoxications qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé, en particulier chez les personnes fragiles, telles que les enfants et les personnes âgées. Afin de sensibiliser la population, l'ARS et la DAF ont réalisé une notice récapitulant les gestes simples à appliquer chez soi, comme se laver les mains au savon et à l'eau propre avant la manipulation d'aliments, utiliser l'eau potable pour la préparation des repas, le nettoyage des produits lorsqu'ils sont consommés crus et aussi respecter la chaîne du froid. Entre 2008 et 2011, l'ARS estime que les intoxications collectives ont été responsables de 1405 malades et 40 d'entre eux ont dû être hospitalisés. Incompréhension dans le département de Limoges. Un père a été condamné récemment par le tribunal pour avoir donné une fessée déculottée à son fils de 9 ans. Le papa l'aurait ainsi puni parce qu'il ne voulait plus lui dire bonjour depuis plusieurs jours. Les juges ont estimé que cette correction était humiliante. Le père a été condamné à 500 € d'amende et a versé 150 € à la mère pour préjudice moral. Et votre question d'actualité aujourd'hui, une fessée à un enfant doit-elle être punie par le tribunal? Vous arrive-t-il de donner une correction à un enfant? Une fessée est-elle humiliante? Avec de tels jugements, l'enfant ne se sent-il pas surprotégé? Vos réactions et témoignages en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER.
Vous le savez déjà, mais on rappelle quand même, Coupe du monde de football en 2014 au Brésil, le tirage au sort des barrages a été effectué hier. L'équipe de France sera opposée à l'Ukraine le 15 novembre prochain avec un match retour le 19 à domicile pour les Bleus. Les autres affiches sont Portugal, Suède, Grèce, Roumanie, Islande, Croatie. Et puis en Ligue des Champions, Marseille qui reste sur 3 défaites affronte Naples ce soir au stade Vélodrome. Battu par Arsenal et Dortmund, les Olympiens n'ont plus droit à l'erreur. Match à suivre en direct sur RES Sport avec RMC Sport. RER. C'est la fin de ce 5-8. Merci de votre fidélité. Passez une agréable journée.